Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Aujourd'hui, je viens vers vous car j'ai vu dans une vidéo que je vais vous présenter, tout le monde la connaît, hein, c'est Kiki Création 17. Kiki Création 17, elle a sorti une vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vue, moi en tout cas je l'ai vue ce matin. Et comment elle a sorti une méthode de faire des cartes avec nos dies. Alors, c'est d'une autre chaîne, c'est Nat Création, je crois. Mais je vous mettrai la chaîne de Kiki en description et vous irez voir comment elle fait. Moi, je ne fais pas de tuto, je l'ai fait de mon côté. Mais je ne fais pas de tuto parce que voilà, comme on n'a pas les mêmes abonnés, voilà, et puis on n'est pas abonnés toutes pareilles, voilà, je partage un petit peu le savoir-faire des copinettes. Alors, moi, j'ai pris de la manière qu'elle l'a fait, elle a fait une manière de voir la carte en 3D, je crois, ou un truc comme ça, mais enfin. Vous irez directement à sa chaîne voir comment elle fait parce qu'elle explique très très bien. Elle expliquera mieux que moi. Alors, elle a pris un dies comme ça, mais elle a pris un. Ah, moi, j'ai pris celui de chez Action. Hein. C'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'ai acheté chez Action. Il y a, je sais pas, peut-être 4 mois. Je me suis jamais servi. Et je me suis dit, je vais essayer avec ça. Alors, j'ai essayé. Il faut couper 3 fois dans du papier, machin. Elle vous expliquera. Et mon rendu, alors mon rendu, il est un peu décalé, mais je vais vous montrer, je vais essayer de voir. Vous voyez, mon image, elle est comme ça. Vous voyez? Et quand on le met, voilà. Alors, c'est mon dies, elle fait plusieurs superpositions. Et moi, je ne suis pas contente de mon truc parce que je l'avais fait, vous voyez, et je m'étais trompée de côté. Au lieu de le faire comme ça, vous voyez, sinon ma bonne femme, elle serait à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez mon truc, mais ma bonne femme, elle est là. Elle est ici. Et j'aime beaucoup ce tampon parce que ça vient de chez nous, hein, il y a longtemps que je l'ai. Je ne sais plus où je l'ai mis parce que c'est la pagaille sur mon bureau. Je vous assure que c'est la pagaille. C'est la pagaille sur mon bureau. Alors, voilà, c'est ce tampon-là que j'ai chez Nose. Et moi, j'ai coupé mon dies étant pas assez large pour mettre. J'ai coupé les cornes. Eh oui, j'ai coupé les cornes. Mais ça va, hein, j'ai pas coupé beaucoup. Hein. Voyez, ça rend super bien ce rendu. Alors, à plat, c'est comme ça. Vous voyez, et le rendu, il est magnifique. Bon, moi, il est un petit peu décalé. Vous voyez? Mais on voit vraiment bien le rendu. Hein, vraiment. Et j'ai pris un autre dies de chez Action. Celui-ci, il est plus petit. Voilà. J'ai pris celui-là. Tout le monde l'a, celui-là. En général, tout le monde l'a. C'était pour faire les moule-board, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et moi, j'ai dû en faire deux, un truc comme ça. Et j'en ai un autre plus grand, mais je l'ai pas trouvé. Alors du coup, je l'ai fait. Voilà, on a tous ces tampons de chez Action. On a le tampon de chez Action comme ça. C'est dans une grande planche comme ça, vous voyez. Je l'ai même pas, j'ai pas nettoyé encore, c'est pour ça. Oui, c'est dans une grande planche comme ça, comme celle-là. C'est exactement la même. Voilà. Moi, j'ai pris celui-là. C'est celui qui prenait plus de place pour faire ce que j'avais à faire. Alors, j'ai coupé, comme elle dit, 2 fois de ce côté-là. Hein. 2 fois. Je l'ai collé. Tous les deux avec une faute un comme ça sur le fond et après j'ai collé j'ai recoupé celui-là comme ça non oui c'est comme ça non comme ça
comme ça, vous voyez, j'ai coupé comme ça. J'ai pas gardé celui-là parce qu'il était, un petit peu décalé. Surtout, il faut pas décaler, sinon ça rend pas le, même truc. Regardez la beauté de, du machin. C'est beau, hein? J'aime beaucoup aussi cette façon. Il est petit, mais j'aime beaucoup. Vous voyez? J'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'en les faisant d'une autre couleur, ça, je pense que ça rend aussi bien. Demain, je vais essayer parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si je vais le faire. Mais j'ai beaucoup aimé le faire. Mais je pense que je vais le faire encore avec, avec celui-là. Hein. Ouais, je suis assez têtue, ouais, 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 ouais. En tout cas, allez voir chez Kiki Création 17. Il ne faut pas de décalage. Et vous voyez, moi, il n'y en a pas. Voilà. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais coloriser les... Mais j'aime beaucoup le rendu comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle a vu ça chez Nat Création. Il me semble que je suis abonnée. Je n'ai pas été voir. J'ai pas été voir la chaîne de Nat. Mais je vais aller faire un petit tour. Voilà. Voilà, de ce, je vous fais des gros bisous. Scrapez bien. Plein de bonnes choses. Voilà, celui-là, il est magnifique aussi. Mais il est, comme moi, je vois, vous ne le voyez pas le décalé, mais moi, je le vois. Alors, je ne pense pas que je vais le garder. Je vais le garder comme modèle pour moi, mais j'aime beaucoup les cœurs, là. Ça fait beaucoup de cœurs, mais je n'ai pas d'autres dies pleins comme ça. Non, je n'ai pas. Voilà, c'est super beau. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, de ce, bah, je vous fais des gros bisous. Scrapez bien. Et la vie est belle. Bah, plein de bonnes choses. Ciao, ciao, ciao.